L'amande poivrée. Définitivement une des huiles les plus populaires et connues au monde, mais aussi une des huiles les plus nécessaires à avoir dans votre trousse à la maison. Je vais vous nommer quelques propriétés et par la suite, je vais vous expliquer comment est-ce que moi j'utilise dans ma vie de tous les jours cette huile si exceptionnelle. Donc, premièrement, les qualités, les propriétés de l'amande poivrée, c'est anti-inflammatoire, analgésique, antispasmodique, réchauffante, rafraîchissante, vivifiante, stimulante et expectorante. Dès qu'on ouvre une bouteille de menthe poivrée ou qu'on utilise une goutte de menthe poivrée, on va ressentir automatiquement les bienfaits. On va ressentir que nos voies respiratoires s'ouvrent. Donc, je vais la prendre par exemple pour m'oxygéner si j'ai une baisse d'énergie l'après-midi, par exemple. Donc, je peux avoir une goutte simplement d'huile de menthe poivrée sous la langue et automatiquement, je vais avoir les voies respiratoires dégagées. Si vous conduisez, si vous avez envie juste d'être un peu plus alerte, si vous voulez, vous pouvez utiliser simplement une goutte à l'interne sur la langue ou sous la langue. Une autre façon de le prendre à l'interne, c'est simplement une goutte dans votre tasse d'eau chaude. Vous mettez une goutte d'huile de menthe poivrée et vous buvez, consommez immédiatement. Une autre façon, en fait, c'est la façon de l'utiliser, c'est topique, ce qui veut dire sur la peau. Pour la plupart, en fait, pour ses propriétés qui vont être anti-inflammatoires, on peut l'utiliser sur la peau diluée. Donc, on va prendre de l'huile de coco, on va mettre l'huile essentielle de menthe poivrée et on va appliquer sur les régions où est-ce qu'on a de la douleur. Donc, vraiment, très anti-inflammatoire. Vous pouvez l'essayer juste pour me croire. Une autre façon que j'aime aussi utiliser l'huile essentielle de menthe poivrée, c'est en diffusion tout simplement pour garder, exemple, si je fais les devoirs avec mes enfants pour qu'ils soient alertes, mais je vais diffuser 3 à 4 gouttes d'huile essentielle de menthe poivrée. Puis une autre façon aussi d'utiliser l'huile essentielle de menthe poivrée, c'est pour baisser la température du corps. Donc, si vous avez, exemple, des chaleurs ou même de la fièvre, vous pouvez mettre de l'huile essentielle soit sous vos pieds ou encore ici, en arrière du cou, sur la nuque. Et vous allez ressentir un sentiment de fraîcheur. Puis, dernier truc que pas mal tout le monde connaît, mais ça aide effectivement pour les maux de tête. Donc, si vous avez un mal de tête, vous pouvez appliquer une goutte ou deux d'huile de menthe poivrée juste ici sur votre front ou ici sur les tempes ou ici en arrière pour aller apaiser votre mal de tête.